Bonjour à tout le monde, bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'utilise la cannelle pour attirer la prospérité dans ma maison, sur moi-même. Dans le spirituel, l'odeur compte beaucoup. Souvent, quand tu arrives dans un endroit, ça sent mal. Le mauvais odeur, c'est le mauvais esprit. Tu ne sens pas bien, tu es... Par contre, tu as une bonne odeur. Combien de fois vous êtes drogué avec les bons parfums? Avec les Christian Dior, là. Avec les sauvages. Dès que tu sens le sauvage, non, là, tu le poursuis. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser la cannelle. Ok? La cannelle a plusieurs utilisations. Dans une de mes vidéos, je vous ai montré comment. Tu peux seulement mettre ça dans ton porte-monnaie. Des fois, je mange même ça. Ok? Là, c'est très sucré. C'est vrai que c'est dans des pays, certains pays où la cannelle n'est pas. On ne peut pas trouver ça partout. Surtout en stick comme ça. Prenez même la poudre. Ce que vous pouvez. Mais généralement, dans les magasins maghrébins, comme les Pakistanais. Je vais trouver des choses comme ça. Donc, après c'est bon. Tu n'as pas besoin de beaucoup. Pour brûler ça, je vais toujours utiliser mon burner. Ok? Maintenant, tu peux dire peut-être que tu n'as pas d'intention. Genre, je brûle seulement ça, j'attire la prospérité chez moi. Soit encore, tu peux charger vraiment. J'enlève tout esprit de pauvreté de ma maison. Je mets la prospérité. J'attire que l'argent entre dans cette maison, que les clients viennent. Vous pouvez faire ça dans votre magasin. Si vous faites du e-commerce, là où vous faites votre e-commerce, la chambre dans laquelle vous vendez vos choses, là, vous faites ça là-bas dedans. Même au salon. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que je prends donc ça. Je lance. Vous voyez, c'est en train de brûler. Je laisse juste ça, ça va brûler. L'odeur de la cannelle ici là, c'est peut-être pas aussi fort que l'odeur de peut-être du laurier. Ça va pas brûler aussi rapidement que le laurier, mais spirituellement ça agit. L'idée que le Saint-Esprit vient de m'inspirer aussi, tu peux prendre ta cannelle, voilà, c'est en train de sentir. Tu écris dessus le montant que tu veux peut-être. Mettez autant de zéro que vous pouvez. Voilà, j'ai écrit là-bas. Parce qu'elle veut manifester 300 millions de francs. Et dans derrière, je vais mettre mon nom. Voilà. Voilà l'autre que j'ai mis là, c'est entre le poulet. C'est un bagage, l'odeur est différente du laurier. Maintenant, quand j'ai fini d'écrire dessus, je peux juste casser. Que ça brûle en différents endroits. Donc je charge ça d'intention. Écoutez, vous n'avez plus devenir illettré spirituel. Vous allez utiliser les outils que Dieu nous a donnés pour attirer l'argent. Tu vas rester en salaire, ton salaire c'est 50 000. Par mois, tu dépenses 500 000. Tu construis ta maison en 5 mois. Alors que tu as un salaire de 70 000. Parce que l'argent va te trouver, te localiser de partout. Tu restes en salaire quelqu'un. Tu trouves même l'argent que tu avais oublié. On te dit, oh, tu étais héritière de ta tante là qui était morte depuis 70 ans. On t'a retrouvé aujourd'hui. Ok, prends. Elle a donné 50 millions de francs, c'est pas pour toi. L'argent, en fait, peut vous trouver. Voilà. Donc, quand tu mets ça en ça, tu laisses à la maison. Ou bien dans ton lieu de business. Ça, écoutez, les mauvais esprits qui sont dans votre maison, qui vous attachent là, vous ne voyez pas. Donc, ça, comme ça, je suis en train de vous simplifier, mais c'est en train d'agir dans l'atmosphère ici. Même sur moi-même qui suis en train de brûler, ça agit. Voilà. Merci d'avoir regardé. Dites-moi aussi, qu'est-ce que vous faites d'autre avec la cannelle? Si vous avez des idées, vous me les suggérez. Ok? Vous passez une très belle journée. Likez ma vidéo et abonnez-vous s'il vous plaît. Merci.